Et yo les petits potes, juste un petit message avant de lancer la vidéo qui est très très important les gars. Je tiens à rappeler que le casino est toujours gagnant, il n'y a absolument rien à faire contre ça les gars, c'est mathématique, vous pouvez rien y faire, vous avez beau être le plus beau, le plus smart, choisir la meilleure technique de martingale, tout ce que vous voulez, vous allez perdre de l'argent quand vous allez déposer, c'est normal, c'est mathématique, il n'y a rien à faire les frérots. Donc vraiment le casino doit être considéré comme un loisir, si quand vous déposez vous n'êtes pas prêt à perdre de l'argent, vous n'allez pas vous amuser quand vous déposez, il n'y a aucun intérêt à le faire les gars parce que vous avez des très grandes chances de perdre votre argent. Et en plus, bah, si vous prenez pas de plaisir et que vous déposez de l'argent sur un loisir, ça n'a pas de sens, les gars. Donc vraiment, il y a assez de choses difficiles dans la vie pour pas se rajouter nous-mêmes des choses qui sont difficiles. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions, pourquoi vous déposez, etc. À chaque fois que vous allez déposer, ne faites jamais des dépôts impulsifs. C'est la pire chose à faire, les frérots. Prenez soin de vous, vraiment. Si le casino n'est pas fait pour vous, que ça vous apporte plus de négatifs, il n'y a pas de problème. Il y a tellement d'autres activités que vous pouvez faire dans votre vie. Allez trouver une activité qui vous fait plaisir, du sport, ce que vous voulez. Passez du temps avec vos potes, vos proches, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Prenez soin de vous en tout cas les gars, je vous laisse avec la vidéo et encore une fois cette vidéo est à but de divertissement, ne vous abusez jamais à reproduire les comportements que je fais dans mes vidéos, les mises à laquelle je mise, etc. etc. Bonne vidéo, prenez soin de vous, oubliez jamais la vie, les gars la vie est déjà assez difficile, ne vous rajoutez pas des trucs difficiles, prenez soin de vous, kiffez la life et je vous dis à très vite, bonne vidéo les gars. 3, 2, 1 et c'est parti les gars, j'espère qu'on va vivre un putain de hunt les frérots. 16 800 balles au start, 16 800 balles au start, 13 bonus, hunt très très difficile les gars, vraiment très très difficile avec un gros start, mais on a galéré tout le long du hunt. Déjà il restait 1000 balles de farm, on avait plus on avait que 10 bonus, on a eu la chance de toucher les 3 doghouse derrière en l'espace de 100 spins, heureusement ça a sauvé un peu le break-even, on était à 200 de break-even, on est passé à 158 mais ce qui reste dégueulasse. Il va falloir qu'on chatte de ouf, on est à 67% du wager, donc potentiellement il nous reste 30 000 à wager derrière. C'est-à-dire que si on fait un gros hunt, ça peut être retrait. Si on finit en bénéfice, c'est sûr que ça pourrait être un retrait. Si on finit genre 10K ou en dessous, ça va être plus compliqué quoi. Ça sera pas mort, mais ça sera plus compliqué parce qu'il faudra encore bien, faudra chatter quoi. Allez les gars, j'espère que vous êtes chauds. Je suis très très hype par ce hunt, c'est le premier hype que je fais en plus sur le nouveau partenaire sur Betify. J'espère que ça va bien se passer. Et j'ai hâte, commençons direct avec Pug Life. J'ai même pas vu le setup sur Pug Life. On va commencer direct. Et puis bah voilà, let's go. Je rappelle aussi pour ceux qui connaissent pas, du coup, vu que c'est le premier que je fais sur ce partenaire, s'il y en a qui veulent s'affilier à moi sur Betify, ça veut dire juste cliquer sur mon lien d'affiliation pour se créer un compte. C'est-à-dire que vous êtes rattaché à moi quand vous créez votre compte. Il suffit juste de passer par mon lien d'affiliation, donc inscription Betify dans le chat, ou alors sur mon Discord, dans le channel Betify, vous avez le lien d'affi. Et sur la description de toutes les vidéos YouTube, il y a le lien vers le Discord, etc. Ça vous donne plusieurs avantages, des giveaways qui sont triplés sur mon stream quand vous prenez un giveaway sur ce casino. Vous avez le bonus de bienvenue à partir de 20 euros de dépôt, vous avez 100% sur premier dépôt jusqu'à 1000 euros et 50 free spins sur Doghouse. Donc c'est assez sympa, on va essayer de mettre en place plein de trucs, une wager race, des... Bref, comme vous voulez, mais si vous voulez, c'est par là que ça se passe. Allez, c'est parti les gars. Et je rappelle les gars, je le mets toujours en message de prévention sur la vidéo YouTube. Mais vraiment, ça doit rester un loisir le casino les gars. Quand vous déposez, si vous prenez des bonus, des machins, ça doit être pour kiffer, ça doit vous dire bon, je vais passer un bon moment, je vais jouer, je vais m'amuser. Si vous vous amusez pas, c'est que vous êtes dans un mauvais délire, vous pouvez pas vous permettre de perdre l'argent que vous jouez. Et donc là, faut absolument jamais jouer les gars, je le répète mais c'est important. Je sais que vous le savez, mais ça fait du bien quand ça rentre. Allez, let's go les frérots. Dommage, pas de spin supplémentaire. Le setup est pas ouf, il va falloir beaucoup de gamelles pour compléter. Ah, salut Smokey Boy. Salut à tous ceux qui nous rejoignent les gars. J'espère qu'on va passer vraiment un bon hunt. Je suis hype en vrai, le hunt il est énorme. J'espère que ça va claquer quoi, j'espère juste que ça va claquer. Il y a full line de Valet mais c'est dégueu. Par rapport à la mise, hein, symbolise à 8 balles hein, les gars. Ok, elle est plutôt bien placée en vrai. Faudrait qu'on en prenne une ici là à la place du 10. Ça serait énorme. Un petit toss sûr. Bon, ça fait quand même un petit billet avec lui là. Pas ouf non plus, mais vas-y on prend. Il reste 2 spins, faudrait prendre des gamelles pour reprendre des spins. Essayer de travailler un peu le setup. Les valets, bon, full line de valets encore, mais bon ouais. C'est un peu moisi quoi. Pas des gros multi, on prend que des fois 2, dernier spin. Ok, on va avoir un spin. Ça, c'est bien. Hein. Full line de lui, là, le violet, c'est pas mal. Hein. Full line du violet, c'est très, très bien. Hein. Très, très bien, ça, les gars. Ok, on commence avec un x100. Déjà, c'est très bien. Et c'est peut-être pas fini. Mon rêve que ce soit pas fini. Mais c'est fini, malheureusement. Ok, ça va. Ça va, j'ai cru qu'on allait prendre une dingue. Ça commence ok. Ça commence ok. On va prendre 1000 balles sur le bonus. C'est en dessous du break-even, mais ça aurait pu être bien pire avec le setup. Contentons-nous de ce qu'on a, les gars. Je fais un petit back-to-back. Petit back-to-back sur ce hunt. Allez, 117 balles. On met ça dans notre petit tableau. Et on enchaîne, les gars. On a des beaux bonus, en vrai. Je trouve qu'on a des beaux bonus. Alors, 1017 balles, quand même, respectons-nous. Respectons-nous. Wild Bison Charges. Ça part. J'avais oublié qu'on l'avait celui-là.
Pragmatique, c'est tout rien de toute façon. Wild Bison. Ouais, le hunt a été très difficile, les gars, le format. Vraiment, ça a été un calvaire. Calvaire, on a couru après les bonus. Il envoie Mirox. Fermez là, putain. Bande de fous. Merci, Matzer, pour le host, frérot. J'espère que ta session s'est bien passée. Allez, on est parti. 9 spins sur Wild Bison Charlies. Commence pas très bien. A priori. Commence pas bien du tout. C'est quoi cette merde? Oh là là, ça va être un full dead, hein. Ça va être un full dead. Un wild, il reste 4 spins. Faut vraiment qu'elle nous assomme de wild pour que ça soit bien correct. Oh, c'est même pas des gros wild. Il n'y a que des symboles de merde qui connectent. J'ai peur de la... Ouais, de la merde, ça. Ça sauve un peu, ça, les gars. 300 balles. J'espère que vous êtes impressionnés par le calcul mental. Yo, mon chim. Bon, on va rester un spin. Ça risque d'être un x50, je pense. Oh, dommage, hein. Les bisons, ça aurait été bien. Ouais, un peu tard, le setup. Un peu tard, les gars. 500 balles, c'est pas du tout ce qu'on veut, les frères. 500 balles. On avait mis du temps à l'avoir, elle, hein. Elle nous avait bien bouffé, en plus, le solde. Back to back, mon rêve sur cette slot, mais bon, faudra se lever tôt. 506 balles. Je suis un peu stressé par ce hunt en vrai, les gars. Je suis un peu stressé, hein. Allez, Book of Golden Sun, ça fait longtemps que je l'ai pas eu dans un team, il me semble. On va aller checker ça. Allez, Book. Déjà, un bon symbole. Ça peut commencer par là. Mais j'aime trop quand il y a de l'enjeu. J'aime trop, j'aime trop. Book of Golden, quand tu veux, hein. Je propose 26 slots, c'est moi. C'est moi ou c'est pas super suivi de la slot? Moi ça va en vrai, c'est plutôt fluide. Je sais pas, s'il y en a deux dans le chat qui c'est pas fluide. J'annonce x1000 sur Cléocatra. Allez, Madame Irma Ramirez, toujours au rendez-vous frérot. Toujours au rendez-vous le frérot. Allez. Je pense, j'aimerais bien avoir la meuf. Cléocatra ou les petits scarabées là. C'est eux qui m'ont, les deux là, Cléopatra plutôt. Serpent, bon, on verra. On verra, on verra. Commence pas, Vatato. Vatato, c'est le gars, il me laisse rien passer, frérot. Allez, les snakes, là. Il a un bon début. Commence à me faire flipper le bonus. Allez, 3, on prend, c'est mieux que rien. Petite gorgée. Allez, faut enchaîner, les gars. Ah, le start fait pas du tout kiffer, là. Se fout de ma gueule, en fait. C'est trop... C'est trop! C'est horrible, c'est horrible. Nul à chier, nul à chier. 283 balles, c'est pas du tout ce qu'il nous faut, évidemment, les frérots. 284. Bon, il nous reste 10 bonus à ouvrir. Il y a de la place. De la place. Nous avons de la place. 284 balles. J'ai l'impression que ça va pas dans le bon sens là-bas quand on dégraisse. Et on va aller sur Bisbilo, le bonus 3 scatter. On n'a pas de bounty sur le hunt, malheureusement. On a la nouvelle action d'ailleurs, le bandit. Après, elle est dure, hein, surtout à 3 scatter. Jamais vu payer encore. Allez, quatrième bonus du hunt, les gars. Il nous en reste 10 à ouvrir. Faut espérer que ça pète. Faut espérer que ça pète, les frérots. Allez, s'il te plaît. Pff, elle est dure, celle-là aussi, les gars. 17K, ça va être très, très dur. Merci, Mara. Bien vu, l'artiste. Bien vu, BG. Midnight qui va péter, ça serait beau. Hein. On start encore une fois. Nul ça. Ah putain, plus bas encore, hein. Plus haut plutôt. La merde. En plus, on a des gros multi. Je le sens bien ce bonus, je sais pas pourquoi je le sens bien, les gars. Aïe aïe. Salut, Shack the Wanderer. Bienvenue, frérot.
Alors bon, ça a pas plu à Chimbo ce que t'as écrit. Pas vu ce que c'était BG, mais... Ouais, ouais, superbe. C'est horrible, c'est horrible. Lui, il va servir à rien, il est trop loin. Catastrophe. Pour l'instant, c'est une catastrophe, les gars. Là, ça fait très très mal, hein, 60 balles. Hein. Ah, y'a rien! Oh là là. Pareil, c'est slot! Ah, c'est vraiment un full deal, hein. 65 balles. Ça me dégoûte. Je te jure, ça me dégoûte. Aïe, aïe, aïe. Oh. Ça commence très très mal. Maintenant, tout peut se passer, les gars. Combien j'ai mis? 64 balles? Super. Cléocatra. Déjà, ça peut commencer par Cléocatra, lui. Peut-être que mon petit lapsus de tout à l'heure était un avant-goût de ce qui peut se passer, les frérots. Ça pourrait être incroyable. Ouais, Shimboz, il a le ban direct. Hein. J'ai pas vu ce qu'il avait écrit, Elastico, mais j'ai besoin d'un sponsor. You want to be part of my... Je sais pas pourquoi il la ban en vrai. Shimboz, il n'aime pas qu'on demande de l'argent. Il est anti-quimande. Allez! 10 000 euros, il attendait, donc je pense. 10 000 euros, voilà, je vide mon PEL. Super, bon start. À le placer. Enfin, j'aime pas trop en tout cas. Ça ressemble pas à un setup de Max Win a priori. Ah, oh, dommage, le retrag là. Gacha, c'était un retrag. Allez, on est en x75. Au moins le x100 peut-être, allez. Pas le droit d'être heureux, les gars. Salut Sweezy. 192 balles. J'aurais pu être pire avec le start, mais bon. Pour l'instant, il fait très très mal ce hunt, les gars. Très très mal. 692 balles. On est sur un break, un multi-moyen à 64. Hein. Ça veut dire que pour l'instant, on perd plus de la moitié du start. Ça peut être horrible. On perd quasiment... C'est un hunt là où tu finis autour de 6000, quoi. 5-6000, si on continue sur ce rythme-là. Autant vous dire que ça serait pas souhaitable. Alors, on est sur Midnight. C'était le call de ma petite femme, de Lucette. Peut-être que ça peut péter. Midnight. Ça fait longtemps qu'on en a pas eu à Midnight. Salut Basti. Ça sent la sodomie là. Pour l'instant, ouais. Et la sodomie sans capote là. Hein. C'est la sodomie où tu ressens le règle de la merde, quoi. Parce que là, c'est quand même assez, assez dégueulasse ce qui se passe. Allez, Midnight. Petite slot de braquage. Ça, c'est le 8 qu'on a touché. Ah, si c'est Tom of Madness qui souffle le N, ça serait beau quand même. Après, Tom, on l'a à 10 balles, on a 7 effets de portail, c'est jouable. Hein. Ok, c'est un start correct. C'est pour me faire donner deux spins et me les dettes derrière, fils de rat. C'est trop, leur vie à eux. Oh là là. Ah ouais, je crois que c'est... Je vais enlever le turbo pour le bonus. Pour l'instant, c'est une catastrophe. S'il te plaît, mets un troisième violet. Parce que là, c'est une catastrophe, cette merde. Dommage, les violets ici, il en manquait un, ça aurait été magnifique. Violet, il me faut des violets quelque part. Avec bien les jaunes aussi, hein. Si on peut mettre un truc jaune quelque part aussi. Putain, c'est pas ouf. Ah, j'ai peur que ce soit fini. Ah là. 583 balles. J'ai un petit back-to-back au cas où, mais bon. Je sais pas où aller la dinguerie là. Il va falloir qu'on en trouve une. Les bros. On est presque à la moitié du hunt. On n'a pas eu un seul bonus au-dessus du break-even. Tumble. C'est quand même dur à faire. Je crois qu'elle m'a jamais claqué une dingue, elle. Enfin, c'est toujours des bonus un peu lambda, quoi. J'ai jamais vu un x1000 sur ça. Allez, s'il vous plaît, messieurs, dames. Por favor.
Mais pourquoi pas? Je vais prendre volatilité moyenne, les gars. On va voir ce que ça peut donner. Gaming progress. Ça me plairait bien de récupérer mon bonus, ouais. Je rappelle qu'il nous reste 30 000 à watch derrière si on veut retirer le watch, les gars. Allez. Au milieu, c'est parti. Exclamation gravie. C'est vraiment des fous. Ok, bon, je le prends le multi. Premier spin pas foufou, hein. On va pas se mentir. Deuxième pas dingue non. Oh là. On va prendre des spins là. Ok. On a un beau multi en vrai. Faudrait un gros hit. Faudrait un gros hit. Le multi est bien, x4. Faut que ça enchaîne. Je pense que tous ceux qui m'ont fait des calls pour ce net me voulaient du mal en fait. 350 balles. C'est très très grave. Ah, back to back. Quel dommage, mais quel dommage. Bah du coup je vais mettre 348 les gars. Je vais rajouter le hit qu'on a pris en base game. En plus, 448. Ça, si mes calculs sont bons. Le bandit. Ah, la nouvelle axo. Pourquoi pas. Et pourquoi pas cette petite slot. C'est elle qui nous a commencé à nous faire bump hier d'ailleurs sur le wedge. Le bandit. Allez, let's go. 350, c'est mieux que 0. Bien vu, frérot. Salut, Waxu. Bienvenue, bro. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, les gars. Bon. Allez, s'il te plaît, bordel. Hop. Franchement, 3 scatters, elle est très très dure, celle-là, les gars. Très très dur. Allez, s'il te plaît. Par contre, la teuté du raton laveur, elle est incroyable. Un peu tôt l'arc-en-ciel, malheureusement. Faut espérer en rechoper un derrière. Pas de dinguerie. 50, on prend. Ok. Heureusement qu'il y a eu cette pièce-là. Sauve un peu tout le délire. Ah putain, il n'y a pas assez de pièces encore. Une grosse, non. Ça va en vrai, on se sort pas mal pour l'instant les gars. On est en x100. On va espérer reconnecter une fois. Ça va être dur. Hein. Ça va être dur, ça va être dur. Ok, ça va. Des dames ici, des dames. Nice. Ça peut, hein. Ça peut être sympa. Allez. Putain, on m'a mis que de la merde. Dommage. En vrai, c'est dommage. Et je crois que c'est notre meilleur bonus. Attends, elle va pas me reconnecter, ça serait incroyable. Allez, un gros, une dorée. Oh, ça peut, hein. Oh, ça aurait pu être incroyable. Oh là là, les pires nuls. Bon, en vrai, c'est cool. C'est très très cool, les gars. Eh ben, fais du bien celui-là. C'est pas ça qui va sauver l'hunt, loin de là. Mais putain, les derniers, on a pris les pires multis, ça aurait été incroyable. 6 x 10 là, c'était fini. Dommage. Bon, 1804, très très bien ça. Premier vrai bonus. x 226, ça nous remonte un peu le multimoyen, mais on est largement en dessous du break-even. On va aller sur Tom of Madness à 10 balles, les gars. Tom of Madness à 10 balles. Allez, Tommy, en vrai dans les hunts, m'a rarement carry quand même. Il y en a un récemment, on l'a un petit peu sauvé, mais bon, pas non plus. Tellement dur cette slot, les gars. Et après, je rappelle qu'on a en fin de hunt les 3 slots Doghouse hein, qu'on a touchés, qui ont sauvé le break-even. Enfin, sauvé. C'est dégueulasse, mais qui ont un peu rattrapé le break-even, on va dire, sur la fin du farm. Si en plus elle payait sur la fin, ça serait magnifique. Allez, Tommy. Cet effet de portail 10 balles, c'est quand même pas tous les jours. Et on a déjà 100 balles. Magnifique. Allez, s'il te plaît. Ouais, c'est pas mal, on apprend 2 coins d'entrée, franchement c'est très très bien. On va laisser les bagues ici. Ah non, on va pas les laisser là. Putain, attendez, mais c'est incroyable. On a les 3 coins, là-haut. Il nous reste 1, 2, et la troisième elle est où? Elle est là. Les 2 ici là, et une ici. C'est pas dingo là. Ah, si elle met pas le tout loulou, je suis dégoûté. Nice.
Let's go! Allez là, ça peut vraiment péter, hein. Ah, dommage, elle a pas connecté avec ça. Elle va peut-être tomber. Allez, me détruis pas ça, laisse-les. Allez, nice. Enchaîne. Bien, propre. Oh, le ch'toulou, s'il te plaît, un vrai ch'toulou. Oh, il est dégueulasse. Oh là là, en plus, il descend direct. Oh, l'horreur, le ch'toulou. Ah, c'est trop, frère. Quel dommage, hein. Quel dommage. C'est même pas un fois 100. Ah, 836. Trop dommage. Ça aurait pu être pire, évidemment, mais bon. Ah là là, ça aurait bien fait plaisir, ça. Ok, on va aller sur Dark Unit, les gars. Je me souviens plus du setup non plus, mais je crois que c'était pas foufou non plus. Et il nous reste combien? Il nous reste 4 bonus à ouvrir, les gars. 4 bonus à ouvrir, s'il vous plaît. Dark Unit. Pour l'instant, on a récupéré que 6 000. Oh là là. Il nous reste 10 000 à récupérer. Il y a presque 11 000 à récupérer en 4 bonus pour finir en bénef. Ah ouais, il va falloir qu'il y ait une folie qui se passe là. Aïe, aïe, aïe. Je peux plus dire ch'touloulou de Somalia. On m'a repris la dernière fois sur YouTube. J'ai plus le droit, les gars. Oh, le set. Oh, tout est possible, tout est possible. Sur le papier, c'est pas le plus beau setup. Mais bon, il peut tout se passer. Pas le meilleur endroit pour mettre... Oh, vas-y, elle me fait des colonnes en plus. Ah, les fils de pute. Ah ouais, merci les gars. Il va enfin avoir des cadeaux pour que ça se transforme en dinguerie. C'est trop, j'ai jamais vu ça, là. Il fait des colonnes, maintenant. Ça peut paraître stylé quand tu connais pas la slot. Tu te dis, waouh, ouais, c'est trop cool. Bon, on a full line d'as avec le 25, mais bon... Ah, quand même, quand même. Ah putain, t'imagines full line d'un premium ici, là. Wow. On aura un petit cadeau, là. Cadeau 3ème ou 4ème colonne, ce serait incroyable. T'as les spins, allez. Mets un cadeau. Putain, t'aurais tellement été mon héros. Ouais, payé minimum, quoi. Ouais, bon, minimum. 515 balles. Ça aurait pu être pire, évidemment, avec le setup. Cette petite connexion nous a sauvés. Putain, tellement dur ce hunt, les gars. Tellement dur. Alors, 515 balles, il nous reste quoi? Il nous reste les 3 doghouse, les gars. Il nous reste les 3 doghouse. Je rappelle qu'il nous restait 1000 euros de farm, on était là. Donc là, à 1000 euros de farm, si on n'avait pas touché les 3 doghouse, on aurait fini à 6700 balles. Moins 10 000. Wow. J'espère que les doghouse vont sauver, les gars. Vraiment, ça serait beau. Hein. Ça serait beau avec le scénario du farm et tout. Doghouse multi-hold. Pour commencer la trilogie des chiens. Allez. À 10k en fin de hunt, je pense que je signe, bon. Hein. Parce que là, 6k, c'est vraiment... Ça veut dire que là, je récupérerai plus d'un k par bonus. Ce qui serait déjà chanceux, tu vois. C'est pas gagné d'avance, les gars. De Gauss, ouais, bon, on verra, les gars. On verra. Allez. On y croit. Tout est possible, les gars. Tant qu'il y a un petit bobo. Par contre, le son est un peu fort. Bon start. Très très bon start. Parfait. On est pas mal là. On est un petit peu en avance sur le setup max win, je crois. Ah là, ça sent le bon full dead là. C'est horrible. Heureusement qu'on a pris 3 spins, mais même avec 3 spins... Transposer aucune niche sur le deuxième écran, c'est une catastrophe. Oh là là. Quelle horreur. Et tu comptes me mettre une niche tiki ou quoi dans ta vie là? Aïe aïe. Oh, on en a une fois 3. Et on va se contenter de ce qu'on a, les gars. Si elle peut me mettre une fois 3 deuxième colonne plus une patte, ça pourrait être pas mal. Bah écoutez, c'est pas le meilleur emplacement, mais écoutez. 3 spins là, ça peut-être. J'espère que j'ai parlé trop tôt et qu'elle va me faire mentir. Si elle met tout de suite des niches là en plus, sur les tout de suite sur les spins. Et top, comment ça? C'est pas ça qui va faire une dinguerie pour l'instant, mais.
Allez, mets-moi une niche, troisième écran, s'il te plaît. Chien bleu, pourquoi pas. Vrai, deux pattes, les gars. Faut essayer d'ouvrir le dernier écran, là, et de rajouter des niches, ça serait pas mal, hein. C'est encore jouable, ça va être très chaud, mais c'est encore jouable. Ah, ça va jouer sur le dernier spin. Déjà, c'est pas un full dead comme je pensais au début. S'il te plaît, mets une patte sur le dernier, ça serait incroyable. Ça nous laisse une vraie chance de taper un truc. Bon, il manquait juste une niche pour être parfait, mais très très bien, les gars. Bon, la deuxième patte, ça sert à rien. 3 spins. Ah, il y a une possibilité, là. Il y a vraiment une possibilité, les gars. On pourrait rajouter des pattes sur le dernier. Des niches, pardon. Des niches. Stop. 300 balles. Et on a un poisson, les gars. J'ai été mauvaise langue. Mes excuses, Doggy. Ok. Mais des niches. 200. Ah. On va passer les 1K. Dernier spin. Il n'y aura pas de spin supplémentaire, quoi qu'il arrive. Ah, c'est pas foulé sur les niches sur les derniers spins. Hein. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Allez, x150, les gars, un peu plus. On va prendre, évidemment, c'est au niveau du break-even, 1297. En vrai, je suis très content de ce bonus, les gars. Je pensais vraiment que ça allait être une cata. 1297. Très, très bien. Très, 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 très bien. Il nous reste quand même 9000 à récupérer pour finir en bénéf sur deux bonus. Même si je prends un fois 1000, c'est même pas sûr. Genre. C'est incroyable. C'est incroyable. Allez, dans Gaux, normal. Putain, c'est tellement dommage, ce hunt. Tellement, tellement dommage. Après, j'ai fait que prendre des cold viewers. Hein. C'est pas pour me dédonner, mais bon, c'est quand même des pipes, hein, bande de bâtards. Bande de bâtards. Aïe, 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 aïe. Allez, doghouse normal. Ça pouvait mettre un setup de fouelle. Je sais pas, hein, genre 19-18 spins là. Oh, mon rêve. Mon rêve, mon rêve. Allez, charge-moi une dinguerie. Charge-moi. Ah, d'accord, j'ai même pas vibré. Ah oui, on avait. Ouais, bon. Bon, c'était pas exactement ça, du coup, mais. Ah, 10 spins, c'est chaud. Tout de suite, une fois 3 milieux. Ah, bordel. Ah, là, bon. Oh, vas-y, j'ai envie de pleurer. Oh. Ah, il est sale, il est très très sale, tu vois. Je vais pas passer par le tableau, on va aller direct sur Doghouse Mega. Je vais rajouter les 94 balles rapidement. Oh, quel dommage. C'était le bonus de Médoc en plus. Allez, bon, salut Gogo, UO, salut à ceux qui nous rejoignent les gars, j'ai forcément raté des messages, mais je vous fais tous une bise les frères, j'espère que vous avez passé un bel opening, et j'espère, ah ça serait magnifique que ce bonus nous sauve là, putain, même un fois 500 je pense, évidemment. Allez Sticky, tout de suite le setup. Ok, c'est pas mal. C'est un fois 100. Le son est un peu fort. On va se calmer, frérot. Putain, elle enchaîne pas les niches, dommage. Allez, s'il te plaît, dis-moi que tu fais une dingue. Allez ! Ils sont où les niches ? Bon, c'est déjà ça, les gars. Ah, la troll. Avec le start, je me suis dit, ça commence comme ça. Bon. Je me suis fait spoil en bas, mais je sais que c'est mon coup, let's go! Oui, monsieur! Oui, monsieur! Oui, Doghouse! Oh. Incroyable, les gars! Incroyable! C'est comme si pour moi, le hunt, il était en bénéfice, les frérots!
énormissime, les gars, dans Gaouks en vrai. Hein. 3600 balles, let's go. On est à combien? Petit back to back? 11700. Bon, on perd quand même 5000 sur le hunt. Hein. Mais je pensais qu'on allait finir à 8-9000. Très très bien, les gars, ça nous laisse vraiment une chance. Tellement dur, bro. Tellement dur, ce hunt. C'était combien? 3600? Je sais plus combien. 3650. On fait moins 5000, les bros. Ça reste un dégueulasse. On finit quand même sur un multi-moyen à 112. Hein. C'est juste qu'on avait un break-even qui était trop dur. Mais heureusement, sur le dernier bonus, j'ai 10 x 500. On était pas loin, les gars. On était pas loin. Bon, maintenant, il va falloir savoir ce qu'on fait. Si on arrive à retrait ou pas, les gars. Mais quel hunt, hein. J'aime trop. Vas-y. C'était trop bien. Ok, je suis trop content. J'ai l'impression d'avoir gagné de l'argent alors que j'en ai perdu grâce à ce dernier bonus. Trop trop cool. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé sur YouTube. J'ai coupé l'enregistrement, les gars. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, le casino, ça doit rester un loisir, les gars. C'est pas un moyen de gagner de l'argent. Vous serez toujours déçus. C'est mathématique. Vous pouvez pas gagner d'argent au casino, les gars. Les stats sont contre vous. Vous pouvez avoir de la chance une fois ou machin, mais souvent vous allez reperdre derrière, etc. Parce que c'est mathématique. Donc, faut que vous abordiez ça comme un loisir. Si c'est pas le cas, ça vaut pas le coup de jouer, les gars, parce que ça va pas vous rendre heureux. Et il y a aucun intérêt à dépenser de l'argent dans un truc qui va pas vous refaire kiffer, quoi. Des bisous à vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, les refs.